Ensuite, je suis remonté dans la Mitsubishi d'Oriza Hirata et nous avons atteint le port. C'est là que le désastre nous est apparu. À gauche de la route, une succession de maisons éventrées. À droite, des carcasses de hangars et un bateau échoué. Puis 5 ou 6 km plus loin, nous sommes arrivés dans le quartier de Kizanorama. C'est là que j'ai marché pendant des heures, mitraillant ce paysage d'horreur, avec mon appareil photo numérique, un appareil japonais. Sony CyberShot 14.1 mégapixels. Je ne sais pas si j'ai tout vu. Prendre des photos compulsivement transforme la réalité. Je ne sais pas non plus si j'ai tout compris, mais ce qui est vrai, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai vu les ravages causés par la vague, elle-même causée par le tremblement de terre du 11 mars 2011. Comme on dit en japonais, tsunami. Tsunami est composé de deux mots, tsu qui veut dire port et nami qui veut dire vague. On emploie couramment ce terme sur tous les continents depuis la vague qui a déferlé en Thaïlande en 2004. Peu importe la hauteur des vagues, un tsunami est un tsunami. Oriza Hirata me dit, les habitants ont eu 30 minutes pour s'enfuir avant l'arrivée de la vague.